Non. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue donc à cette table ronde sur la question d'agrégation sur l'Irlande du Nord. Donc c'est une table ronde à un intervenant, notre collègue Fabrice Mourlon, que je remercie beaucoup. La question, le texte de cadrage et la bibliographie ont été élaboré par Fabrice Mourlon de la Sorbonne Nouvelle et Fiona McCann de l'Université de Lille. Fiona s'excuse, elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Et on est très heureux d'avoir Fabrice. Donc, je vais te laisser présenter la question, la bibliographie, et puis on prendra des questions de la salle, bien entendu, après. Voilà, over to you. Merci. Écoutez, je vais faire une présentation sommaire parce que tout est un peu dit dans l'argumentaire et dans la bibliographie. Je commenterai un peu la bibliographie. Donc, pour rappel, la question d'Irlande du Nord avait été à l'agrégation en 89. Et depuis, on en a pu reparler. Et là, à l'occasion des 25 ans de l'accord du Vendredi Saint de 98, Fiona et moi avons pensé qu'il serait bien de remettre sur le premier plan cette question qui quand même intéresse beaucoup et les étudiants et aussi les médias en français, hein, parce que en France on est très sollicité depuis le Brexit. Voilà. Donc on a décidé de revenir sur cette question et de choisir des bornes chronologiques qui vont du début du conflit et qui s'arrêtent en 2007. On aurait pu aller plus loin, mais on a décidé d'arrêter la chronologie à 2007 lorsque les institutions sont à nouveau mises en place avec donc Martin McGuinness et Ian Paisley. Donc, en fait, ici, c'est une occasion de revenir sur un conflit qui, en fait, pose des questions déjà de définition. Le conflit, qu'est-ce que le conflit? Est-ce que c'est uniquement les antagonismes politiques, religieux, culturels? Est-ce qu'on parle aussi de la violence? Donc, il va falloir évidemment se poser ces questions. Et sur les questions des identités, hein, évidemment. Donc, il y a plusieurs conflits. Il y a le conflit qu'on peut appeler local, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle les deux communautés, et on reviendra aussi, on questionnera cette idée de deux communautés. Et évidemment, il y a les acteurs qui sont le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne et l'Irlande aussi. Donc, il faudra prendre en compte tout ça. Et il y a aussi un grand conflit d'interprétation, puisque ce conflit qui est soi-disant, enfin, qui se voulait être résolu en 98, continue, vous le voyez, à travers d'autres manifestations, plus politiques maintenant, parfois violents, mais quand même plus politiques. Et donc, il y a aussi donc des conflits de terminologie. Donc ça, je pense que les candidats à l'agrégation devront déjà bien connaître l'historiographie un peu conflictuelle sur la question et notamment sur comment on définit les personnes, les lieux, les territoires et ce qu'on a généralement en sciences politiques, on a tendance à dire, surtout dans les pays anglo-saxons, c'est un conflit entre les catholiques nationalistes républicains d'un côté et de l'autre les protestants unionistes loyalistes. Donc ça, c'est quand même une simplification de ces communautés, puisque on va voir au cours un peu enfin, des cours qu'on va donner et les candidats vont découvrir qu'il y a non seulement cette identification politique, religieuse et culturelle, mais aussi des problèmes de classe, hein, chaque groupe n'est pas uni aussi clairement. Donc, après le contexte, si vous voulez, historique, sur pourquoi l'Irlande du Nord est née, évidemment, donc ça, faudra passer très peu de temps là-dessus, mais quand même bien ancrer les choses, c'est-à-dire montrer que l'Irlande du Nord est le produit d'une question enfin, qui n'a pas été bien traitée, c'est-à-dire la partition de l'île, hein, donc dans le mouvement d'indépendance, et ensuite parler brièvement de l'origine
de cette communauté, enfin des protestants en Irlande du Nord, avec la plantation et évidemment la différence entre les Anglais et les presbytériens qui viennent d'Écosse. Nous avons choisi de revenir, de délimiter trois périodes. La période de militarisation, c'est-à-dire le début du conflit, hein, puisque les choses n'arrivent pas à se régler politiquement, il y a énormément de violence qui, entre 69 et 72, c'est un conflit très, très violent, et jusqu'à Bloody Sunday, qui marque en fait la fin des institutions locales et donc l'Irlande du Nord est dirigée directement par Londres. Ensuite, la deuxième période, 79-98, c'est toutes les tentatives qui ont été mises en place pour retrouver, pour mettre fin au conflit. Puis enfin, la période post-conflit, 68-2007, pour voir quelles sont les avancées et les reculs dans ce qu'on appelle la paix relative du post-conflit. Voilà. Alors, ensuite, donc, on se posera des questions justement transversales, c'est-à-dire, donc, il faudra bien avoir en tête qui sont les acteurs majeurs de ce conflit. Donc, toujours ce qui se passe en Irlande du Nord, mais aussi la Grande-Bretagne et la République d'Irlande, quelles sont les stratégies mises en œuvre, et aussi, donc, le poids de la société civile, dont on a peu parlé pendant le conflit, mais ça, c'est propre à tous les conflits. C'est-à-dire que quand les conflits ont lieu, on parle surtout, on le voit avec l'Ukraine, hein, on nous demande de prendre parti. Et là, la période post-conflit nous permet un peu d'entendre des voix un peu qui avaient été jusque-là mises de côté. Donc, la société civile. Le problème des écoles qui sont encore divisées, les community relations et enfin tout ce qui est toutes les expressions féministes et LGBTQ qui sont maintenant qui peuvent s'exprimer dans la période post-conflit. Ainsi que les petits partis, on a un peu parlé des petits partis, mais ils ont aussi leur importance. Voilà. Et aussi, on se posera les questions sur les représentations, notamment, alors soit dans les murals, soit dans les médias, etc. Donc ça sera une petite partie des questions transversales. Donc, on a préparé avec Fiona une bibliographie qui est un peu didactique pour que ça soit plus simple pour vous, les préparateurs, et pour les candidats. Il existe un site vraiment fabuleux qui s'appelle Cairn, et on commence par ça dans notre bibliographie. C'est un site énorme qui a été créé dans les années 90 à l'University of Ulster, et vous y trouverez non seulement des petits chapitres d'ouvrages sur les questions avec de nombreuses bibliographies sur tous les points essentiels. Et nous, ce qu'on a fait dans la bibliographie, on a fait déjà une espèce de choix, parce que c'est vrai que quand on va pour la première fois sur le site, ça va dans tous les sens. Et du coup, c'est très difficile de s'y retrouver. Donc, on vous a mis les liens essentiels pour pouvoir se repérer avec les grandes dates, les symboles, les événements, des glossaires, des acronymes, etc. Et je pense que ça, dès maintenant, les étudiants peuvent déjà se familiariser. C'est très, très bien fait. Il y a des petits résumés déjà qui sont disponibles sur le site. Et vous aurez énormément de sources primaires. Donc ça, c'est vraiment… Donc on a commencé avec ça pour les notions de base. Et puis ensuite, donc on a fait une bibliographie thématique, donc avec tout un pan sur l'historiographie. Et moi, si je peux vous conseiller sur l'historiographie, trois ouvrages. Donc, il y a le premier qui est John White, Interpreting Northern Ireland. Donc, c'est un historien qui a écrit ça en 1991. Et justement, il montre comment il y a un conflit d'interprétation sur l'Irlande du Nord, et c'est le premier qui a vraiment regroupé tout ce qui avait été fait jusque dans les années 90. Et ça a été poursuivi par McGarry et O'Leary qui adoptent
qui font exactement le même travail, mais qui divisent un peu le passé conflictuel par rapport à d'autres catégories. Et enfin, O'Leary a écrit trois ouvrages en trois tomes, A Treatise on Northern Ireland, et je pense que le volume 1 sur colonialisme est assez bien fait. Donc ces trois-là vous donneront quand même le gros de tout ce qui est historiographique. Ensuite, il y a des ouvrages de référence. Donc, on a mis deux petites étoiles quand c'était vraiment des choses comme c'est l'habitude comme on a l'habitude de le faire dans les bibliographies pour la Grègue. Donc, deux étoiles sur des ouvrages incontournables. On a essayé de faire un mix entre ce qui avait été écrit un peu dans les années 90 et ce qui a été écrit maintenant. On a privilégié aussi, on a mis à l'honneur nos collègues français qui sont souvent pas mis en avant et qui ont beaucoup écrit sur l'Irlande du Nord. Donc, vous verrez les noms. Donc, là, voilà. Donc, toute une partie historiographique. Après, les acteurs principaux, donc nationalistes et républicains, on a essayé vraiment de faire un tri pour que les candidats et vous ne soient pas submergés. Donc, vraiment, si vous pouvez vous caler sur les titres qui ont déjà deux petites étoiles, ça sera déjà pas mal. Les unionistes et les loyalistes, et ensuite la Grande-Bretagne et l'Irlande, les forces de l'ordre, en fait, toutes les parties en présence. Là, ensuite, il y a une partie sur conflict resolution, parce que c'est quand même l'accord du Vendredi Saint, si vous voulez, ce qui a été fait en Irlande du Nord, est en train aussi un peu de s'exporter ailleurs. Donc, c'est devenu une sorte de modèle, même si c'est un anti-modèle, un peu comme le TRC en Afrique du Sud, hein, qui avait été. Donc là, vous avez des ouvrages de base et pas mal d'ouvrages sur l'accord du Vendredi Saint et la transition. Et surtout, un des grands thèmes qui va quand même être très important dans cette question, c'est comment on fait le travail de mémoire, notamment avec les victimes, les ex-prisonniers, etc. Et vous verrez dans la presse, cette question est toujours aussi brûlante. C'est-à-dire qu'après un conflit, on tend à oublier, on passe à autre chose, mais en fait, les choses restent et elles reviennent après. Donc ça sera une grosse partie. Puis ensuite, il y a quand même toute une bibliographie sur Bloody Sunday, la collusion entre l'État britannique et les paramilitaires, quelques ouvrages sur les relations communautaires et toutes les questions transversales. Donc ça, c'est plutôt sur les questions transversales, le rôle des femmes, qui est très important, puisque c'est quand même The Northern Ireland Women's Coalition qui a poussé pour que le travail de mémoire soit inscrit dans le Good Friday Agreement. Donc, elles ont été vraiment très actives. Et tout ce qu'il y a sur les représentations, les médias, les murals, les musées, etc. Et les perspectives avec les arts aussi, les droits civiques, économiques, etc. Donc, on a essayé de vraiment de cibler parce qu'évidemment, l'Irlande du Nord, c'est John White qui le disait dans son ouvrage, rapporté au nombre d'habitants en Irlande du Nord, je crois que c'est le pays qui a produit le plus d'études, etc. Donc, il y a des choses qui se révèlent, mais si vous voulez une bibliographie, on aurait pu faire 500 pages. Et vous le verrez si vous allez sur Kane, à chaque fois, il y a des bibliographies. Et donc, voilà. Donc, voilà, on a fait vraiment une sélection que nous pensons être utile pour vous et pour les étudiants. Merci beaucoup, Fabrice. Voilà. On va ouvrir les questions. Pas de questions? Tu veux bien venir, Tim. Tim? Oui, Non, on non, non, t'entend. Ah oui, il faut viens. que tu viennes parler dans le micro. Parce que comme ça, t'es enregistré. Merci. Oui, je me demandais à quel point la question de la géographie va être importante pour les études. À quel point est-ce que les candidats et candidates vont devoir savoir vraiment localiser précisément tel ou tel quartier, par exemple?
sur les éparpillements de phase, sur Gallery, par exemple. C'est une question qui est très compliquée quand tu ne connais pas les lieux. Donc, je me demande à quel point il va mettre ça en avant. C'est une bonne question. Je pense que pour Belfast et Derry, ça sera assez facile. C'est-à-dire que si tu prends Belfast, Derry et la frontière, s'ils arrivent à comprendre ça, déjà, c'est pas mal. D'accord. Et donc, de toute façon, là, dans la bibliographie sur Kane, on a des cartes avec la répartition par catholiques, protestants, unionistes, nationalistes. Donc ça, ils vont pouvoir assez vite visualiser. C'est très, je pense que c'est ça. Il faut quand même qu'ils le connaissent un peu, mais de manière pas fouillée. Hein. On va pas leur dire ah oui dans telle rue. On va pas le faire à l'irlandaise. Ouais, d'accord. Voilà. Et avant qu'on passe au micro, par rapport aussi au XXe siècle. Ouais. La tentation. Ouais, mais ça, il faut vraiment regarder. Au début, très, très synthétique, parce que sinon, on va refaire toute l'histoire et alors on n'a pas fini. Il faut bien, bon, il faut planter le décor pour pas, faut montrer que, en fait, le conflit redémarre parce que la question n'a pas été réglée. D'accord. Voilà. Okay. Il faut axer là-dessus. D'autres questions? Ma première question, c'est par rapport est-ce qu'on attendra d'eux un peu de théorie qui soit plus transversale, parce que ce n'est pas que sur la mer du Nord, sur par exemple la réconciliation, le conseil. Alors ça c'est justement c'est dans conflict resolution. Donc on a parlé de ça aussi. Bah un petit peu parce que comme ça ils arriveront. Bah de toute façon ça arrivera sur le tapis parce que ils l'ont fait de toute façon ils l'ont fait hein. Dès 98 il y a énormément de conférences justement qui ont eu lieu à Belfast hein, et tout de suite et la question du TRC, the Truth and Reconciliation Commission, vient sur le tapis et personne n'en veut. Les parallèles internationaux. Alors, ils peuvent le faire, mais on va pas leur demander de tout savoir. Hein. Mais bon, et justement dans tout ce qui est conflict resolution, il y a ces aspects-là. Hein, et c'est quand même une approche bien particulière. C'est une approche des relations internationales. Les conflict resolution, c'est quand même issu des relations. Des relations internationales. Donc oui, sur la réconciliation, on va utiliser les concepts qui sont utilisés. Qu'est-ce que la réconciliation? Donc il y a toujours, en fait, la réconciliation, il y a toujours le problème de la transformation de la société. Et ça, c'est un mystère. Comment on transforme les attitudes, et ça, on le verra. Donc une des approches du gouvernement britannique, c'était les community relations qui étaient, qui était issu en fait des race relations en Grande-Bretagne. Donc les community relations, comment faire rencontrer des communautés, comment ça marche ou ça marche pas plutôt. Enfin c'est difficile et c'est pour ça que il y a aussi l'aspect parti politique et aussi ce qui se passe sur le terrain parce que on l'a vu hein, nous quand on travaille dessus, il y a une grande différence entre ce que les partis politiques, même si après les gens votent pour eux. Et ce qui se passe au niveau politique et, il y a quand même, et ce qui se passe sur le terrain. Il y a beaucoup plus d'initiatives de réconciliation, ce qu'on appelle réconciliation, où les gens se rencontrent, etc., qu'en politique en ce moment. Justement. Mais on n'a pas voulu justement aller au-delà de 2007 parce que alors là, on est dans les transformations de la société nord-irlandaise. Donc ça, mais il y a déjà les prémices. Hein. D'autres questions que j'avais c'était sur une question LGBT. C'est dans les trans. Non, mais c'est plutôt dans les questions transversales. Ouais. Ça sera abordé dans les. Pour l'instant. Non, mais on pourra en rajouter. On avait l'intention, je ne sais pas si on pourra le faire avec comment, Fiona, de, alors je ne sais pas si on pourra le faire, de mettre en place une espèce de site, enfin de blog, où on mettrait aussi des. Par exemple, tous les articles en PDF, etc. Je ne sais pas si on est au niveau des droits d'auteur, on a le droit de le faire, mais faire un pool, c'est ça le problème, ou un drive pour nous les préparateurs, pour vous. Je ne sais pas comment. De quoi?
C'est possible de le faire. Hein. C'est en open access, je pense. C'est en open access, hein, ouais. Ouais. Bon, on pourra rajouter ouais, des choses sur LGBT. Ah, ah d'accord. Donc, on pourra faire ça pour donner. Ouais, au moins les articles. Ouais. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Je vais peut-être rajouter juste quelque chose parce que j'ai parlé sur Pierre Sandy en vous. Et donc, ce qui paraît difficile à cerner en fait, au début, c'est que ce n'est pas si tranché que ce que vous avez dit tout à l'heure et qu'il fallait vraiment faire attention, pas schématiser, c'est-à-dire que ce n'est pas les protestants contre les catholiques. Voilà. Ce n'est pas les unionistes contre les nationalistes, etc. Il y a des protestants qui se sont plus irlandais que des catholiques. C'est ça. Donc, je pense que ça, il faut vraiment le comprendre dans, d'entrée de jeu. Parce que je pense que c'est l'une des clés qui fait que le conflit n'est pas résolu à ce jour, c'est que voilà, c'est, les frontières sont très, très poreuses. Et puis, deuxième chose, là, on s'arrête à 2007. En 2007, on parle de revisiter le passé, travail de mémoire. En fait, c'était encore très, très brûlant chez certaines personnes, la question des troubles. Alors, c'est plus trop le cas en 2023, mais encore. Hein, donc, ah, si, si. Voilà. Il y a plus maintenant l'immigration. Moi, j'entends beaucoup parler de l'immigration et un peu moins des. Mais là, le Legacy Bill, qui est en train de discuter à Westminster, a redéclenché. Bah, donc, ça relance le débat. Ça relance le débat parce qu'il est pas, il n'a pas été terminé. C'est unfinished business. Tous les articles sur ça, justement, sur le travail de mémoire et les victimes. C'est unfinished business. Donc, les gens auraient passé à autre chose. Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux. C'est pas si. Ouais. Non. En fait, le problème, c'est qu'au plus on lit sur l'Irlande du Nord, et au moins on lit sur l'Irlande du Nord. J'ai l'impression. Parce que c'est tellement dense, c'est tellement opaque, que voilà, ça va être difficile de tout cerner. Je ne sais pas ce que tu penses. Bah, alors, si dès le début, on déconstruit. Ce que tu as dit, c'est-à-dire les deux communautés. Mais en même temps, les deux communautés, ça a été. Donc, c'était. Mettre l'accent sur les deux communautés, c'est un, chez les politistes, de simplifier la chose. Mais ça, c'est ce que les politistes font. Et on le voit moins chez les sociologues. Et White en parle. C'est pour ça que je vous dis, lisez White, parce que c'est très éclairant là-dessus. Est-ce que peut-être qu'il met l'accent sur le fait qu'on a donné les marques identitaires qui sont religieux? Mais pas que seulement, pas seulement, pas seulement justement, pas seulement. Et il y a aussi la question de la classe sociale qui a été évacuée. Et en fait, on n'en parle pas souvent, mais il y a un problème de classe sociale. C'est ce que tu dis. Mais ça, c'est dès le début. Il faut vraiment mettre l'accent là-dessus avec l'historiographie. Est-ce qu'on prend un peu dans le fil d'art aussi de l'histoire de la classe sociale? Pas trop. Belfast, c'est quand même. Bon, c'est quand même un film sur la nostalgie d'une époque. C'est lui qui revisite son propre passé. Qu'est-ce qui est au niveau. Ouais. Ouais. Enfin, de toute façon, ce n'est pas vraiment le. Non, mais oui, il faut déconstruire dès le début. Alors, donc, c'est non seulement donc, les chercheurs, il y a vraiment une différence entre les sociologues, les ethnologues et les politistes. Hein, et ensuite. La volonté de dire voilà c'est un conflit local, c'est pas nous qui nous en occupons, c'est de leur faute, ça c'est la Grande-Bretagne qui a mis ça en place, donc c'est aussi une arme politique, hein, pour se désengager, il faut bien leur montrer ça. Et deuxième chose, oui, alors il y a des protestants qui se sentent unionistes, il y a des catholiques qui se sentent non, des protestants qui sont irlandais et vice-versa, enfin bon, mais ça oui, c'est il faut montrer comment sur le terrain, c'est ce que je disais, les choses sont moins divisées et que au niveau politique, elles se traduisent encore par jusqu'en 2007 par quand même une grande polarisation politique, hein. Parce qu'en 2007, c'est là qu'on a le DUP et Sinn Féin au pouvoir. Alors qu'avant, c'était le UUP, ce qu'on appelle les modérés, on va dire, pour simplifier. Donc c'est là. Alors maintenant, c'est en train de changer.
Mais on ne va pas jusque-là parce que sinon, voilà. Mais on peut, mais en déconstruisant justement, en montrant qu'il y a tous ces conflits, hein, dès le début, justement, on va déconstruire tout ça. Donc vraiment restituer la complexité Dès le début, ouais. et s'écarter des Ouais, ouais, représentations ouais. figées. Montrer que ce sont des représentations figées qui ont soit. Qui ont été soit qui viennent donc des domaines de recherche hein, mais aussi de la politique et etc. et qui a quand même une différence entre ce qui se passe, c'est moins visible sur le terrain. Moi, je me posais une question, Ouais. Fabrice, je ne suis pas coopératrice, mais à propos de la terminologie, Oui. est-ce qu'il y a un attendu? Est-ce que le fait de parler du nord de l'Irlande ou de l'Irlande du Nord, de Derry ou de Londonderry, est-ce que c'est égal? Est-ce que les étudiants sont censés se positionner, mettre des footnotes? Voilà, comment est-ce que Alors, vous envisagez ça? oui, ça c'est une bonne question. Et déjà, au début, on va leur montrer justement, dès le début, donc voilà, c'est le chapeau un peu de l'argumentaire, où on déconstruit un peu tout. Bon, après, pour les noms, on peut prendre les noms officiels, par exemple, Derry, ça va être facile, on met Derry, Londonderry, ce qu'ils ont fait, le compromis qu'ils ont trouvé. On n'attend pas. Non, il faut pas que les étudiants prennent parti. Non. Il faut qu'ils comprennent la Oui, complexité, c'est mais ça. qu'ils prennent pas parti. Ouais. En plus, nous, on est en France, donc on a un peu plus, on est moins, on est en dehors, donc il faut garder cette distance. Il y avait Derry, Londonderry et Irlande du Nord, Irlande du le nord Nord. de Ah ben l'Irlande. là, oui, le Landa. Oui, mais ça, on va leur dire, justement. Faut leur dire. L'un des fois. Et leur dire que, justement, vous lisez un ouvrage où on dit le nord de l'Irlande, ben, c'est plutôt quelqu'un qui est nationaliste. Donc, tout de suite, leur dire ça. Ils repéreront, justement, ce qu'ils sont en train de dire. Mais ça, dès le début, si on leur dit bien ça, ils arriveront à se repérer. Ils pourront faire le choix. Enfin, montrer la complexité, surtout. Et là, il y a tout le débat aussi sur est-ce que l'Irlande du Nord est une colonie ou pas qui revient. Hein, là, et on a mis des ouvrages voilà, dans la bibliographie qui reviennent justement sur cette définition, sur la colonialité, sur le statut colonial de l'Irlande du Nord, etc. Il y avait une question. Oui, il faut que vous veniez poser votre question. Désolée. Ah, c'est. Que maintenant, dans le dernier census, il y a beaucoup de jeunes en Irlande du Nord qui s'appellent Irlandais du Nord Oui. plutôt que d'Irlandais ou Britanniques. Donc, ça fait un développement très intéressant. Et la jeune génération, ils ont vraiment, je pense qu'ils ont voulu généraliser un peu, développer une identité plus fluide. Oui. Et aussi la partie Women's Party, dans les dernières élections notamment, et l'année dernière, ils ont vraiment gagné beaucoup de votes. Et beaucoup de unionistes qui ont normalement voté pour la partie unionistes, c'est unionistes, maintenant ils votent pour l'Alliance Party. Sinon, ils sont plus unionistes, ils votent peut-être pour le PDP, mais pas parce qu'ils sont vraiment une. En accord. Oui, c'est plutôt parce que c'est la même chose pour Schindler. C'est Oui. pas ça, que ce sont les deux parties les plus grandes. Alors, les gens parlent vraiment veulent pas que l'autre gagne trop. Ils se sont poussés à voter pour l'autre parce que pour éviter que l'autre gagne. Vous Oui. comprenez. Mais ça. Mais on va vraiment cette développement de Mais ça, c'est en dehors, ça va au-delà de notre période. C'est pour ça, ouais. C'est ça. Mais ça s'était amorcé déjà à l'époque. Surtout la nouvelle génération, il n'y a pas eu de transmission, puisque on parle de transmission ici, il n'y a pas eu vraiment de transmission entre
les gens qui avaient connu le conflit, la nouvelle génération, le sens. Hein, les jeunes ont commencé à beaucoup voyager hein, à partir des années 90, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, ils vont beaucoup à l'étranger. Ils n'ont pas eu cette transmission du conflit. Absolument. Et puis, il y a beaucoup de gens qui travaillent à Dublin, donc ils prennent le train, le Exactement. matin. Voilà, c'est ça. Oui. Mais c'était seulement pour. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Merci. Merci. John. D'autres, ouais. Il y a John. Je ne vais même pas enseigner l'option de cette année, mais il y a une question. Comment ça, tu ne vas pas enseigner? Oh. En fait, un des grands changements symboliques que je veux parler, c'était le remplacement du Royal Flotilla Submarine avec le Northern Ireland Police Service, avec, à mon avis, le seul exemple au Royaume-Uni des quotas. On en appelle les quotas, où on disait à un comité, voilà, vous allez recruter le même nombre de cassos que pour l'instant. Par contre, est-ce qu'on en sait beaucoup de ce qui est, comment, comment dire, the extent of the success of this change? Alors, il y a eu un peu plus de catholiques, ça c'est vrai. J'ai pu les chiffres en tête, si ça a quand même marché. Et c'est surtout que quand même avec le changement de nom, etc. On le voit même sur place, c'est-à-dire que même l'attitude, le RUC ressemblait quand même beaucoup à une présence armée, même s'ils n'étaient pas comme des militaires, mais on le sentait quand même qu'ils avaient une attitude beaucoup plus militaire. Avec le PSNI, on a l'impression d'avoir la police de Manchester. Ils ont les mêmes voitures, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un changement. Parce que dans les années 70, un catholique à Belfast, il y a un problème qui va pas. Non, 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 pas du tout. On est aujourd'hui comme famille catholique à Bien Belfast. sûr, bien oui. Un peu plus, mais ça dépend aussi des quartiers. C'est-à-dire qu'il y a encore des quartiers où on ne fait pas appel à la police et il y a encore des quartiers qui sont quand même sous le contrôle des anciens paramilitaires. Hein. Voilà, les paramilitaires, donc l'IRA a déposé les armes. Bon, maintenant, il y a les dissidents, etc. Mais en fait, quand on dit, oh, bah, la violence des paramilitaires a disparu, non, les gens sont encore là. Donc, soit ils font de la politique ou, bon, il y a quand même une emprise des fois sur certains quartiers. Certains quartiers. Je suis entièrement d'accord. D'autres questions? Mais je pense que vraiment, là, même pour vous, si vous regardez sur le site de Cairn avec vraiment les résumés, ça, voilà, ça va vous rassurer. L'historiographie après aussi, c'est très, très bien fait. Et vous pourrez après rentrer dans les petits chaussons de la question de la grecque. Très bien. Eh bien, si tout le monde a posé ses questions, il nous reste à te remercier, Ben, Fabrice. merci. Et pensez à Fiona qui Et m'a envoyé un petit Fiona, texto qui bien vous donne le sûr. bonjour. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci.